Le pic du Midi est le plus ancien observatoire de haute montagne au monde. Totalement inaccessible en voiture, il offre aux scientifiques un environnement au sommet du naturel. Nous sommes au sommet du Tourmalet, au pic du Midi, au cœur des Pyrénées, à 2877 mètres d'altitude. En haut de cette montagne, des observations scientifiques sont menées depuis 1874. Au début, c'était de la météo. Aujourd'hui, on y mène des activités scientifiques, d'astronomie, de mesure de l'atmosphère et de biodiversité. C'est un lieu d'accueil et d'échange scientifique extrêmement passionnant. On a une mission de diffusion vers le grand public. Et dans ce cadre, on accueille en particulier des collégiens, des classes entières qui viennent s'initier aux joies de l'astronomie, de la découverte du soleil, de la qualité de l'air, enfin de tout ce qu'on fait ici. C'est un site dont tout le monde rêve en France, je crois, qui accueille 150 000 visiteurs par an. La reconnaissance au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, c'est un dossier qui est en cours, qui est pour nous la sacralisation des recherches qui sont menées ici. Et on est dans la pérennisation, on s'ancre dans le paysage grâce à cette labellisation. C'est unique au monde ce que l'on fait ici.